moi. Ah. Ouais, ça tourne, hein. Ah, c'est bon. Là. Alors, première. Voilà. Ah, regarde, c'est parti. Bon, maintenant, c'est le moment d'ouvrir ta gueule. Allez, vas-y. Oh, bah, oh, ta gueule. Et toi, je te prierai de rester fils de douanier poli. Bon, shampoo général, hein. Retraité colonel Aubry, il doit vivre toujours. Sergent Chefnel, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Il est parti comme... Majudan. Ludzik, eh ben, il est mort. Thomas Majudan. Garcia Dédé. Je viens à son enterrement. Ouais, ouais. Qui était Caporacher, il a fini. Lui, ouais, ouais, ouais. Il est, voilà. Après, Ake. Bertels, il est mort. Bertels. Major, le gendarme d'honneur. Le boss. Le boss qui est bien. Bien. Bruce. Tonton. Il est décédé. Oui. Ah ouais. Mort, voilà, sixièmement. Cantator, Cantator capitaine. Rayatea, non? Non, il est à Rurutu. Rurutu, Rurutu, oui. De la Creta, Jean-Jean. Il est là. Très bien rasé. Pas de cheveux blancs. Gomez, Marquez, José. Ben, le seul qui a mal tourné. Il a fait chier, hein. Oh, ouais. Lieutenant-colonel, belle carrière. Ouais. Grenoër, je ne sais pas ce qu'il est devenu, mais ouais. Adjudant-chef, c'est un organicien. Ouais. Et je crois qu'il est toujours vivant. Ouais. Eschke. Eschke. Je ne sais pas. Premier mot. Ouais. Au Grand Barra, il s'est retourné avec... C'est marqué. Premier mot. Ouais. Jusqu'à... Jusqu'à, c'est lui. Et je crois bien qu'il est mort. Quatrième mot. Il n'y a pas longtemps. Quatrième mot. Oh, ça fait longtemps. Oh là là, jusqu'à. Jusqu'à ça. J'étais encore là. J'étais sergent chef quand il est mort. Quel air. C'est lui qui a loupé aussi le peloton. Il venait du REP, quel air. Oui, oui. Oui, il était du REP. Il était dans la CCS. À la cour. C'était. Il a sa copine. Elle est sortie avec Schindler. Voilà. Civil, Kostov. Ben, il est mort à Djibouti. Hein. Ouais. Bon. Lunel. Ben, je ne sais pas ce qui est devenu. Ben, écoute, Lunel, je l'ai revu à Auriol il y a 3-4 ans. Et je crois qu'il était, il était reparti d'Auriol. Et il doit être décédé, il me semble, et que j'ai vu qu'il était... retraité, mais Lunel, il était à la Piloubier, ça ne tournait pas, il est allé à Auriol, ça qui, tournait Picard? Pas. Non, ah, Lunel, ouais. Il y a des problèmes. Il doit être, mais je crois qu'il est décédé, il me semble. Picard, pesant, retraité, lui, je n'ai jamais plus entendu parler, jamais plus revu. Pradel, pareil, jamais plus revu. Rochman, non, ça c'était Normaluch. Normaluch. Reim, il est mort. Oh, troisième mort. Et il me devait 6000 balles. Là. Ah, bah, il me descendait pour me rembourser. Hein. Ah bon? Parce que quand il est parti à la retraite. Il avait retiré tout son poignon au small, le soir il est sorti, il s'est fait faucher tout son blé, et le lendemain il partait pour l'Allemagne, je lui avais prêté 6000 balles à l'époque, et là il redescendait, je crois, et il venait s'installer à Piloubier, je crois bien. Il redescendait quand il s'est... Il va, la major. Il a fini PSO en haut. Plateau d'Albion. Mon oncle. Robin. Robin.
Salut. Et toi, prêt et l'autre qui Moi, c'est Robin. Et toi, Garcia Guilly. Présente-toi. Salut, moi c'est Robin, et toi? Oh, Garcia était bourré, Robin aussi, ça allait. Et Robin, Rodriguez, ben lui il a déserté. Après il est revenu, il a piqué la caisse du foyer. Il avait abandonné sa femme. Ouais, tous ses gosses, il avait une belle femme et des jolis gamins qui étaient bien élevés. Compliqué. Il a dû retourner en Espagne. Ouais, et puis après il est revenu, il l'a repris comme caporal chef, il est parti comme caporal chef. Ah, il faisait chauffeur à Bonifacio, j'en ai revu là, caporal chef. Il est parti, Salva, alors je pense. Putain, docteur. Lui, le docteur. Chins, ben lui, il est cinquième mort du peloton, ouais. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Chins, il est mort, ils l'ont fait mort dans son lit. Ouais. Il est dans le centre de la France. Ouais, mais j'avais téléphoné une fois. Non. Je dis que ça le dérange. Voilà. Bon, moi. Oh ben, je suis toujours là. Van Voren. On m'aurait dit qu'il était mort. Hein, et Varney, déserteur. Était déserteur, ouais. Deux fois, il a déserté. Ouais, Varney, quand il était où, parce qu'il avait été au premier rep. Ouais, et puis en Algérie, et puis après, il a fait le peloton avec nous, puis il a été au deux, non. Mais après, il a redéserté comme sergent. Okay. Ah, voilà. Comment il s'appelait? Reim, non pas Reim, c'est pas Reim, Lunel, premier tambour dans le rang d'éclairant trompette dans le rang d'éclairant trompette. Il nous racontait que son oncle était colonel Quand il avait dit à Champeau, Champeau, il a dit, mais pourquoi tu fais ça comme ça? Pour le bien des services et les succès et des armes de la France. Il avait dit au colonel, voilà l'histoire. La boîte de concert. Ouais, je voudrais bien maintenant que les pelotons, quand on fasse faire un truc de 5 mètres sur 5 mètres sur 5 mètres de profond pour enterrer une boîte de concert. Ouais. Regarde le trou. Hein. C'était le petit Rodriguez, moi, et puis c'était toi qui étais élève deux jours. Ouais. Ah, puis les skieurs, du. Enfin, j'avais passé 8 bons jours là, vous savez. Hein. 10 ou quoi? Ouais. Mais alors les skieurs, on était partis à ski, on y a Nel qui dit, comme ça, on va arriver avant, on pourra faire du vin chaud, pourra picoler. On est arrivé 2 heures après ce qu'était à pied. J'avais les mecs qui avaient des ampoules, ils ne savaient pas. Oh là là. Oh ben dis donc. Et tu te rappelles, toi, c'est là qu'on a, à Calacucha, on a dormi les deux dans le même sac de couchage.
hein? Sous la couverture américaine. Ouais, et dans le, mais dans le même temps. Mais ça, tellement il faisait froid. Mais on est peut-être les deux seuls qui se sont pas gelés. Les couilles d'aller avec des branches et tout. Ouais, ouais. Le dos contre le dos, on a été dormi. Je me rappelle de ça, ouais. Le docteur avec sa pipe. Quel... Berthez. C'est un bon mec, Berthez. Varney, hein. Varney. Élève sous-officier Varney. Oh, c'est un jour que j'avais mis, j'étais élève deux jours, j'avais mis un écriteau sur son sac, c'est un des sacs qui était pendu au lit. Et puis j'avais mis un écriteau parce que je dors avec moi. Et l'autre il l'avait réveillé, il a dit tu viendras faire des abdominaux. Il avait mis au bureau de semaine et tous les soirs il doit aller faire des abdominaux à la semaine. Voilà, mais... C'était, il était vraiment mauvais ce mec-là. Ouais, il était un peu con. Ouais, hein, ah ben ça c'est le coup du bal dans la main. Ah là 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 là. Là. Ben ça je peux jamais l'oublier parce que tu sais pourquoi? Parce que j'étais pas au chantier ce jour-là, c'est le jour. Ah t'as vu le camion? Tu venais? Comme... Je courais le long de la route. Ouais, ouais. Et celui qui était comment chef de bord ouais. Au camion c'était Marquez. Ouais. Et lui ou c'était Marquez qui était derrière ton chef de bord, je m'en rappelle plus. Ouais. Et il y en a un qui m'a fait, il me faisait comme ça. J'ai dit qu'est-ce que ce que ça veut? Et moi je courais pour aller au chantier parce que ouais. C'est le jour où j'étais convoqué pour être. Je rectifié. Ah, bon. Je reprenais mon nom de Tissot. Ah, putain, ah, alors, ça, je me rappellerai toujours, c'est le jour où Champeau s'est tiré la balle dans le pied. Mais alors, je ne sais plus la date. Il aurait fallu la marquer, la date, toi. Ah ben, il est dans le Champeau. Hein. Ah. Tu sais que quand il est parti au 3e REI, les lieutenants ils ont fait cadeau d'une ah, ça, c'était le fameux Cameroun. Hein. J'ai foutu le fumigène dans le bordel. Le bordel de Courtais. Ouais. Tu sais, il y avait juste le truc. Et puis, j'avais foutu un fumigène. En plus, j'étais en tôle, moi. J'étais en sortie. Ouais, ouais. Ah, ouais. Ah, c'est les tournois de Cameroun, on avait tout gagné. Sauf un, peut-être. Le cross. Ah, peut-être. Ah, on n'avait pas gagné le cross. C'était le peloton à Morisseau qui avait gagné, le peloton à Bouvatier. Ah, bon. Mais toutes les coupes, on les a gagnées. Ouais, ouais, ouais. Toutes. Ben, d'ailleurs, il y a une photo où on a toutes les coupes. Ah, peut rien, on est pipé. Ah, on était quand même une bonne équipe sportive. Ah, ouais. Ouais. Et de toute façon, il paraît que le peloton, quand... Parce qu'il y a deux pelotons qui ont démarré quasiment en même temps. Ouais. Et quand ils se sont c'est fait. Ludzik qui a tout Ludzik, il a dit tous les sportifs chez nous. Ah, mais Ludzik, il connaissait. Attends. La Coupe Cameroun, c'est le plus important. Moi il me connaissait du peloton, il m'avait fait le peloton 1. Il venait de se rengager à l'époque, Ludzik. Ah bon. Parce que Ludzik, il était parti comme sergent. Ouais. Et quand il est revenu, il l'a repris comme caporal. Comme Demarais. Demarais, il était au REP lui aussi, ouais, ouais. Au premier. Ouais. Et puis quand il a quitté, il était caporal chef ou sergent. Non, sergent. Mmh. Et quand il est revenu, il a pris le grade de caporal chef. Ouais, 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 qui c'est lui là oh, je ne me rappelle plus. Tisselin, je crois. Tisselin, je crois qu'il s'appelait lui. Tisselin. Après, il était à la 13 avec moi. On était à la 13 ensemble. Bon, je dis avec moi, non, c'est moi qui étais avec lui, mais il est arrivé après. Ça, c'était comment? Colcombe. Schintz. Hein. Mais c'était un beau sportif. Ah, non, le Dieu. Et ça m'a fait mal. Alors, tu sais, quand j'étais au bagne, moi, j'avais engueulé. Moi, je dis, non, t'as la tête, on dirait mon cul, t'es tout ridé. Ouais, je voudrais bien toi encore maintenant faire un match de handball et tout. Mais le match de handball, c'était dans sa tête, il était incapable de jouer. Mmh. Parce qu'il partait le matin. Il était au service général, là, non? Non, il était chez Aubry. Ah. Avec Aubry aux EV. Ah, aux EV. Mais il faisait le tour de toutes les popotes du quartier. Il partait, il allait chez Jeannet au casernement. Après, il descendait un peu plus bas, il allait à la popote. Il faisait les machines à bière, tu sais, qu'on avait dans les trucs. Après, il allait au mécanicien, service auto. Service auto.
Il faisait la tournée des détenus, il arrivait, il était fumé. J'ai dit au père, je dis, vous lui rendez pas service, hein. J'ai dit, il faut le punir. J'ai dit, vous lui rendez pas service. Ouais, même si tu veux que je lui dise. Ah, et tout. Mais bon. Ah ben voilà, voilà. Les manœuvres avec les Américains. Là, ça c'est Esquet. Ouais. Il était résistant, ce mec-là, Esquet. Rouge de figure. Ouais, hein. Il paraît qu'il a fait de la Légion espagnole. L'espagnol, c'est ce qu'on disait. Voilà. Il a fait 5 ans de Légion. Et Chine, tu te rappelles que tu. Ah, c'est lui qui m'avait donné la couverture. Et puis j'ai le blouson de lui qui m'avait donné. J'ai toujours. Mais attends, mais moi aussi j'en avais un blouson. Regarde, je suis en train de l'essayer. Voilà, hein. mais j'ai une couverture américaine. Ah, voilà. Il m'avait donné. Et c'est lui qui disait Beans of Bacon is very good. Et Chine, tu te rappelles que tu y avais planqué un camembert Et l'autre, l'autre, comment il s'appelait, Salvac, qui était avec un giron dans la main, les pieds qui sortaient. Au bruit, il était ciselé, il était fusillé, l'autre. Bon, il avait les deux pieds qui sortaient avec. Et les mouflages, hein, et le bosque, là, hein. Oh, non, et Champeau, il nous a pas machiné facile. Hein. Ah, Champeau, il avait son caractère, hein. C'est vrai que. Ouais, mais. Avec Aubry derrière. On a fait un plan. Ah, ben, le père Aubry. Et lui, on était sur le terrain, moi, je me rappelle. Toujours, il faisait froid le matin, moi, bon, j'avais pas de problème à me lever et tout. Hein. Et on prenait des douches. Au seau d'eau froide, et puis on se baignait dans les rivières. Hein. Et un jour, Lunel, il donne un coup de pied dans le sac, il dit, hey, l'aumônier, c'est l'heure, vous. À Aubry, hey, l'aumônier, faut te lever, c'est l'heure, Guy. T'appelles pas ça? Oui, le mec. Oh là là. Eh oui, quand on faisait des mouflages. Ça, c'était Van Boren, ça. Van Boren. Ah ben on a gagné quand les Américains ont volé. Ah putain, et ouais. On a gagné. Est-ce que. C'était un bon militaire ce mec-là. Discipliné, il était pas bête, hein. Ouais, mais il connaît pas beaucoup. Non, mais il était. Attends, il n'était pas à son, hein. Lui, ouais, il a fini dans les 10 premiers, hein, lui. Ouais, ouais. Ouais. Mais qui c'est qui a fini premier? C'est lui, parce que j'ai mis un point de moins. Ah bon? Parce que j'avais fait de la tôle, donc on m'a enlevé un point. Alors, ouais. J'ai fait deuxième, moi. Peut-être. Marquez quatrième. Ah bon. Ouais, mais je ne sais plus qui c'était le troisième. Moi, j'étais deuxième. Autrement, si j'avais pas eu un point de moi, j'étais premier. Ah bon. J'ai eu un point de moi. Un point ou deux. Non, j'ai eu deux points de moi. Ah parce que j'avais fait. C'était un point par cinq jours. Dix jours avec mon histoire de perruque, là. Ah bon. Avec comment il s'appelait l'adjudant chef qui était Chououle, qui cherchait les girons qui étaient au matériel. Ah putain, le petit qui. Non, pas petit. C'est pas l'adjudant qui avait la 4 chevaux. Ouais. Mais si, il était petit. Ah, là, il était petit. Un Kitschi, oui, je me rappelle. Comment il s'appelait? Oh, il était au. Il m'a niqué comme un bleu, je me suis fait avoir comme un bleu. À l'intendance. C'est ça. En haut. C'est ça. J'ai été à son enterrement, figure-toi, à Marseille. Alors lui, bon. Et alors, moi, j'étais sorti, tac, paf, j'avais le képi et tout, avec une immense perruque, puis elle déteignait, c'était Salva qui m'avait pris. Et puis, bon, il essaye de me coincer dans un bistrot, et je suis sorti par la fenêtre des chiottes, c'était une petite fenêtre, ah bon. Je suis sorti par la fenêtre des chiottes, je taille la route. Bon, je dis, mais lui, il était en civil. Ouais. Et tout d'un coup, moi, je descendais, je rentrais au quartier, tu sais.